Madame, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette édition du journal du dimanche. Une femme peut-elle assurer son épanouissement sans mari? Le mariage est-elle une obligation, un droit ou un choix? La problématique fait l'objet de tout un dossier à suivre dans la partie magazine de ce journal. Une édition d'ailleurs que nous ouvrons par les faits qui marquent l'actualité de ce dimanche. De l'huile au feu qui semblait être maîtrisée, c'est l'interprétation qui se dégage des relations actuelles MONUSCO, population congolaise dans l'est du pays. Après les manifestations hostiles à la MONUSCO dans le Nord Kivu ce matin, le pays s'est réveillé avec des images qui choquent. Un convoi de la mission des Nations Unies qui tire de coups de feu à balles réelles et traverse de force le poste frontalier de Kassindi, faisant 2 morts et 15 blessés selon le bilan dressé par le gouvernement. Les vidéos devenues virales montrent des policiers et citoyens blessés pris en charge dans un centre de santé. Blaise Mokokia revient sur les faits, mais attention, certaines images choquent. Regardez. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo se métamorphose en mission pour la déstabilisation du Congo. Nous sommes à Kassindi, dans la province du Nord Kivu. Transfert n'a pas tant, mais ça c'est pas danger. Transfert à Kassindi, il pas déjà. Ndio. Hapa ni grave kabisa. Danger kabisa hapa déjà transfert pas souka, na watu washa kufa kose tout. Manaki watu washa pata tout mambo matu hapa. Affaire ko danger. Ça enda. Ayo pina hii. Sasa hii na hii, sio wana washa pita, sio ile déjà. Washa pas sou la kuna tena kufa. Tiré à bout portant tout simplement parce que les services des frontières ont demandé à la MONUSCO venue de l'Ouganda de remplir les formalités, cela dépasse tout entendement. Une boucherie humaine des Congolais s'en est suivie, le personnel soignant débordé. Le sang des Congolais a trop coulé. Et si la MONUSCO qui est censée apporter la paix s'invite à déstabiliser une partie de la République démocratique du Congo, cela bouleverse toutes les consciences et prise de paix. Et dans un communiqué signé par son porte-parole, le gouvernement de la République condamne cet incident malheureux et présente ses condoléances aux familles éplorées en exprimant sa compassion aux blessés. Il rassure en outre que des dispositions requises sont en cours pour assurer la prise en charge matérielle et judiciaire consécutive à ce drame. Le gouvernement, conjointement avec la MONUSCO, a initié une enquête pour établir les responsabilités, connaître les motivations d'un tel forfait et obtenir des sanctions sévères à l'encontre des casques bleus à la base de ce drame qui sont du reste déjà aux arrêts. Le communiqué du gouvernement souligne que les casques bleus concernés ne pourront plus de ce fait faire partir de contingents de la MONUSCO en attendant l'aboutissement du plan de retrait de cette force onusienne de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a signé ce communiqué renseigne en dernier lieu que le gouvernement de la République appelle au calme la population congolaise en général et particulièrement celle de Kassindi et de toute la province du Nord Kivu et rassure qu'il veillera à ce que pareil incident ne se reproduise plus. Et cet incident de Kassindi intervient 24 heures seulement après les entretiens de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de Nations Unies, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pierre Kibembeso Moïssa revient sur ce moment. A duré plus d'une heure. Nous sommes venus rendre hommage aux victimes congolaises et onusiennes fauchées lors des derniers incidents malheureux survenus dans l'est de la RDC, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sortir des échanges que sa délégation venait d'avoir le samedi dans la soirée
avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Tout en condamnant ces événements, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que l'ONU entend poursuivre la mission en collaboration avec la RDC, tout en renforçant la capacité des actions pour plus d'efficacité. Et c'était une occasion aussi de parler de la manière dont nous pourrions tirer les leçons de ce qui s'est passé et travailler ensemble pour que ça ne se reproduise plus et pour que le travail commun entre les autorités congolaises, au service desquelles évidemment est la MONUSCO et la mission et la MONUSCO, soit renforcée, que la coordination soit plus régulière, plus fluide, de manière à ce que, ensemble, nous soyons plus efficaces au service des objectifs des autorités congolaises. Et de ce point de vue-là, il y a une très grande disponibilité de la part de son Excellence le Président de la République, et je l'en remercie. J'ai tenu à saluer aussi son engagement dans les efforts régionaux, qui sont très importants, évidemment, dans le contexte de la crise qui caractérise actuellement la région, les tensions régionales qui se sont renforcées ces derniers temps. Et... Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a pris part à cette entrevue aux côtés du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo, et du mandataire spécial, Serge Tshibangu, a dit que le chef de l'État a fait part à la délégation onusienne des frustrations de la population congolaise. Le président de la République a été franc et sincère pour apporter la frustration du peuple congolais au regard des dernières déclaration, mais aussi par rapport à l'évolution sur le terrain, parce que l'élément déclencheur de tout ceci, c'est l'agression dont est victime la RDC à travers le Rwanda et l'M23. C'était aussi l'occasion de regarder ce qui n'a pas marché finalement dans le partenariat, parce que dans un partenariat, tout n'est pas forcément rose. Évidemment, il y a eu des petits soucis de communication, mais c'est des choses qui seront réglées, parce que c'est l'avenir qui est le plus important. Pour les événements qui sont passés, il y a un engagement clair, et le président de la République a insisté dessus, que les responsabilités devraient être établies rapidement pour que nous puissions être fixés sur ceux qui ont été à la base à la fois de la mort des Congolais et des casques bleus, de sorte que cette question puisse être réglée, mais que par la suite, le président de la République a redit, conformément à ce qu'il avait partagé hier dans sa communication au Conseil des ministres, la volonté de la République démocratique du Congo de continuer son partenariat stratégique avec les Nations Unies. L'ONU entend renforcer la coopération avec les forces congolaises de sécurité, protéger la population, faciliter l'aide humanitaire, a renchéri le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix. Et ce nouveau drame de Kassindi complique un tout petit peu la tâche au gouvernement qui s'est lancé dans un élan pacifique pour régler la situation. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est d'ailleurs au Nord Kivu à l'instant. À Goma, il avait lancé un message d'apaisement aux forces vives. Betty Amané, José Baïtom. Dépêché au Nord Kivu pour évaluer la situation sécuritaire avec des manifestations anti-MONUSCO et témoigner la solidarité du gouvernement congolais envers les familles des victimes, la délégation gouvernementale, chapeautée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, avec à ses côtés son collègue de l'industrie, Julien Paloukou, ancien gouverneur du Nord Kivu, et celui des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Moutinga, a échangé ce samedi avec le représentant de Forces Vives dans le mouvement citoyen, la société civile, les députés provinciaux, les jeunes, les femmes, mais aussi les responsables de la MONUSCO, en appelant au calme et à la retenue. Daniel Asselo Kitowakoy a indiqué qu'il existe un plan de retrait de la MONUSCO qui doit être exécuté. Les forces vives qui demandent l'enterrement digne de victimes de ces manifestations ont insisté sur l'accélération du retrait de la MONUSCO et renforcement du système de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé à ce que nos compatriotes qui sont tombés
sur ces manifestations soient enterrés dignement, comme les fils du pays, parce qu'ils sont des patriotes. Nous avons dénoncé aussi que notre population a toujours dénoncé le comportement de la MONUSCO. Ce n'est pas la première fois que la population du Nord Kivu manifeste contre la MONUSCO suite à leur agissement. Au niveau du gouvernement, ils y travaillent et déjà il y a un plan qui doivent être exécutés. Citons le gouvernement du fait qu'ils sont venus pour évaluer la situation, mais également assister les familles qui ont été éprouvées. Rassuré de la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir le calme régner dans le Nord Kivu, Daniel Asselou Kitowakoy a insisté sur la nécessité d'obtenir l'engagement des acteurs concernés en faveur d'une paix sociale et durable. On revient à Kinshasa pour changer de chapitre. Ceux de Kinoa qui ont emprunté les artères de la ville samedi ont très certainement croisé le cortège présidentiel. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait hier la ronde des chantiers routiers de la ville de Kinshasa pour se faire une idée de l'évolution de travaux de modernisation de la voirie urbaine de Mongafula. La tournée a été clôturée dans la commune de Lantélé. Retour en images et commentaires sur cette ronde du président de la République. Des chantiers routiers qui avancent à grande vitesse. C'est la réalité de Kinshasa, une ville capitale en plein processus de désenclavement et désengorgement. L'initiateur de cette métamorphose déjà amorcée de la ville à la dizaine de millions d'âmes, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a fait ce week-end la ronde de chantier pour palper l'avancement de travaux. Première étape, le quartier Kimbondo dans la commune de Mongafula. Un coin menacé de disparition depuis deux décennies par de têtes d'érosion, rendant le quartier infréquentable. Une volonté, celle du chef de l'État, a suffi pour que les habitants de ce quartier reprennent le plaisir de vivre ici en constatant l'exécution parfaite de travaux. Chaussées modernes, digues et caniveaux, la nouvelle robe de Kimbondo sera très bientôt livrée. Un autre coin de la capitale qui retrouve un plaisir de vie inespéré, c'est le camp Luka. Après avoir vu pour une première fois un chef d'État fouler leur sol en mai dernier, ils goûteront bientôt aux délices d'une chaussée et de ponts modernes qui vont désenclaver leur cité, longtemps placée en isolement. Ici aussi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a constaté avec satisfaction l'évolution normale de travaux. Le cortège présidentiel a ensuite poursuivi son parcours pour s'arrêter cette fois à la 6e rue Limité, où des espaces d'attraction sont en plein aménagement. Entre la 3e et la 6e rue, plusieurs parkings seront érigés avec une capacité de 200 véhicules pour éviter de stationnement incontrôlé sur la route. Quittant cet espace, le président de la République va cette fois descendre sur la route Kikwit vers la 2e porte de la foire internationale de Kinshasa. Cette chaussée en construction n'est figurée quasiment pas sur la carte et a été créé pour désenclaver les quartiers Mombele et Alimété, une partie des communes de Ngaba, Lemba et Makala. Si la chaussée a déjà pris forme, il ne reste plus que le pont à jeter pour relier les deux parties avant l'asphalte. De l'ouest de la ville, en passant par le centre, c'est à l'est que le cortège présidentiel va terminer sa ronde. D'abord sur Sekomaf, une route impraticable et inaccessible en réhabilitation depuis le mois de janvier dernier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a constaté l'évolution de travaux sur cette route de desserte agricole dont 5 de 15 km prévus sont déjà exécutés grâce au programme de modernisation de la voie urbaine dénommé Chilegelou. Les maraîchers ont profité de l'occasion pour soumettre aux premiers citoyens du pays leurs doléances liées notamment à la spoliation de leurs espaces. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a promis à ses compatriotes de suivre de près leur dossier. C'est enfin sur cette chaussée, au nouveau visage, que le garant de la nation a bouclé sa tournée d'inspection de chantier. Terre jaune n'est plus une route en terre battue depuis le dernier passage du chef de l'État. Bien qu'asphaltée sur une majeure partie, les travaux évoluent jusqu'à atteindre l'objectif. Presque partout à Kinshasa, le route se crée et celle existante se réhabilite. La vision transmise aux exécutants par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est de désengorger et désenclaver les agglomérations de la capitale et simultanément celles de provinces du pays.
Les maisons préfabriquées, on en parle encore une fois, mais cette fois justement sans lien direct avec un fait de justice, mais plutôt avec des travaux qui ont été repris au Kontchachi. D'ici 2 mois, ces travaux seront achevés à Kinshasa avant l'étape de Mbujimayi, et nous informe Eddie Chala dans son reportage. Après près de 2 ans d'arrêt, les travaux de construction des maisons préfabriquées ont repris au Kontchachi. La société Sanibo s'est engagée à terminer ses constructions d'un maximum 2 mois à Kinshasa, avant d'attaquer Mbujimayi et enfin Kananga, dont les conteneurs se trouvent encore au port de Dar es Salaam et de Luanda. Jamal confirme la poursuite de ces travaux. 100% de me comprendre, comme ils ont commencé depuis avant-hier les travaux, j'ai choisi les meilleures sociétés pour monter la maison. Alors à la Kamchatchi, te trouver... Reste maintenant 90 maisons. De 90 maisons, ça ne dépasse pas des mois pour terminer. Il y a plus que 400-500 containers, ils ont arrivé Dar es Salaam, Angola. Ils ont envoyé les gens, ils ont vu la maison. J'ai envoyé encore deuxième société, s'appelle Modeste. J'ai les contrats, tu comprends, il y en a tout ici. Ça, c'est mon pays, quel que soit le problème. Moi, je vais à genoux devant le président, tu me comprends, je vais vous le mille merci pour le président. Et Dieu avec lui, Dieu donc longue vie pour mon président. Parce que c'est lui qui a élevé moi dans les tombes. La République attend la réalisation de ses travaux, car les fonds publics ont été déboursés et les contractants sont disposés. Il ne se passe plus une journée sans que notre rédaction ne puisse enregistrer une action en faveur aux forces armées de la République démocratique du Congo. Celle que nous vous proposons ce soir porte les empreintes de la ministre honoraire Acacia Bandoubula. Guy Blaise Kitiki, reportage. Et Horizon 2023, pas un quartier sans Fatih Béton, pas un quartier sans Acacia en action. C'est le message et slogan porté par Mme Acacia Bandoubula Mbongo, présidente nationale de la fondation Akaré, auprès des milliers de membres de cette fondation, disséminés partout à travers les communes et les quartiers de la ville de Kinshasa. Du 2 au 26 juillet 2022, pratiquement 24 jours durant jour pour jour d'intenses activités, Acacia Bandoubula Mbongo a parcouru près de 70% des 9 965 km² de superficie de la ville de Kinshasa. Pour prêcher, à travers sa campagne d'éveil patriotique, soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton. Mais aussi et surtout, se rendre compte des activités de la fondation Akaré, une sorte de contact avec la base, un corps à corps, porte à porte, quartier après quartier, des membres stratégiques des équipes de réflexion de la fondation Acacia en action, RF. Une gigantesque effigie frappée à son image, symbole clé de ce travail du terrain. L'un des thèmes évocateurs de cet éveil patriotique, stoppe le tribalisme pour un Congo fort et uni. Son allocution a tourné autour de l'amour du Congo, ce beau pays nous légué par les ancêtres, qui a un lien avec le bien-être de chacun et de tous. Il faut se donner pour son développement, chacun à son niveau. La présidente de la fondation, Acacia Bandoubula Mbongo, ex-ministre de l'économie nationale, a annoncé un grand rassemblement de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatih Béton, une façon de se montrer désormais prête et en ordre de bataille. La journée de la femme africaine a été célébrée ce dimanche 31 juillet 2022. Pour cette célébration de 2022, on a parlé femme et mode. Suivez ce reportage. Placée sous le thème « Autonomisation de la femme pour une participation accrue au processus de consolidation de la paix et à la gouvernance démocratique », ce forum a réuni les acteurs clés traitant les questions du genre afin de répondre tant soit peu aux préoccupations des représentants de 26 provinces. Avant toute chose, je tiens d'abord à rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder aux questions et initiatives liées à la promotion de la femme et à l'égalité de sexe. Votre assiduité pendant ces 3 jours de travail marathon sont une preuve éloquente de votre dévouement au travail que vous abattez tous les jours pour la promotion des droits de la femme congolaise
son autonomisation et sa participation à la gouvernance démocratique, gage de tout développement durable. Après les recommandations formulées en rapport avec l'autonomisation de la femme, la participation politique et leadership et d'autres thématiques, des brevets ont été remis aux participants. Bien avant, la ministre du Genre, Gisèle Ndaya, a pris part à la présentation du projet Yabisonde du programme de la MIFDA, initié par Mme Mami Moudjani Kalonji. Merci Cédric Elina pour la restitution de ce forum. Un débat vert s'est tenu cette semaine autour de l'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire. Quel avenir pour la République démocratique du Congo, s'interrogeaient les experts. Le conférencier, disais-je, a démontré l'importance de l'agriculture dans le développement du pays. Bobete Ngali Samba. La création artistique a fait baver le public. Le podium a vu défiler des silhouettes. Le secteur de la mode africaine a ouvert ses portes à la femme avec sa sensibilité et douceur, avec touche de modernité. Moi, je suis un exemple fort. C'est mon métier, c'est ma passion, j'arrive à nourrir ma famille avec ce que je fais. Donc ça veut dire qu'on a un avenir, on l'a su. Une soirée faste et féerique. Les mannequins investissent le podium et ravivent le défilé. L'idée est de la styliste Noëlla Mbujamabe Boaboa, fille de feu le général, célèbre dans l'armée congolaise. On a réussi à faire cette soirée. C'est pour soutenir les enfants des militaires, comme on dit, de Ndélékouéaté. Nous allons offrir des kits scolaires aux enfants des militaires. Des paillettes, des strass, des ingrédients mis en avant pour cette soirée des cœurs en soutien aux enfants des militaires. Cinq mannequins ont été habillés par 5 stylistes. Des costumes fabriqués pour répondre au thème élégance dans l'extravagance, 4e édition. Le bouquet final revient à Noëlla. Elle a des belles années sur le podium avec des idées dans le social. Symbole de l'avenir de la mode, elle est soutenue par des grands noms, dont Okasol, visible aux premières loges. Vous venez donc là de suivre le reportage de Françoise Bouella sur la femme et la mode. Revenons à présent sur ce débat vert qui s'est tenu cette semaine autour de l'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire avec Bobete Ngali Samba. Face à plusieurs expertises, ce jeudi 28 juillet, le professeur Lambert Pungo Kito, expert en biotechnologie végétale, a démontré l'importance de l'agriculture à travers la théorie Okito, le triangle de la vie. Selon lui, la biotechnologie offre plusieurs avantages pour améliorer la production agricole en aidant les fermiers à rentabiliser leur business grâce à la maîtrise des techniques agricoles avant, pendant et après la récolte. Le professeur Okito est prêt à mettre son expertise et son expérience à la disposition de son pays. Ma mission à moi, c'est de contribuer à développer le secteur agricole. Ma mission à moi, c'est de donner le meilleur de moi-même, de ce que j'ai fait ailleurs pour mon pays. Je ne voudrais pas mourir avec mes connaissances ou les mettre dans les tiroirs. Pourquoi? Sinon, je serais appelé égoïste. Alors, ce que je vous demande de vous tous qui m'écoutez, c'est de m'aider à pousser loin de ces idées. Je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien. Si j'ai intervenu dans beaucoup de pays dans le monde entier et ils ont eu des résultats palpables, ce n'est pas au Congo que je vais échouer. Organisé en collaboration avec la direction des Congolais de l'étranger, cette conférence a permis l'échange des idées et le transfert d'expériences. Côté climatique, il est temps de tendre vers l'agriculture durable, a souligné le Dirkaba de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Cette agriculture durable qui tient compte des générations futures, a souligné Bibish Ngoua, journaliste et spécialiste des questions environnementales. Et pour y arriver, il faut l'apport de tous et de chacun. Il est impérieux d'investir réellement dans l'agriculture dès maintenant. Là, le gouvernement a...
La tenue à Kinshasa de la conférence annuelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a lancé la semaine du président de la République qui, quelques jours après, a présidé la cérémonie de lancement des appels d'offres pour l'exploitation de blocs pétroliers du pays. Les résumés de la semaine du président, c'est avec Pierre Kibembe-Somoïsa. La République démocratique du Congo a organisé lundi, le 25 juillet 2022, la 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, convoquée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC. Ce sommet a réuni au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa des chefs d'État et des représentants des pays membres de l'organisation sous-régionale. Dans son discours, le président de la République a plaidé pour la création d'un environnement de paix et de sécurité en Afrique centrale. Le président de la CEAC a invité ses pairs à être tous ensemble déterminés et engagés à matérialiser la vision de l'autonomie collective de l'organisation avec comme priorité d'élever les niveaux des populations de l'Afrique centrale à travers la création d'un environnement de paix et de sécurité. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit avoir inscrit son action dans la poursuite des réformes de la CEAC qui constituent un impératif absolu en vue de la matérialisation des objectifs définis par le traité de l'organisation révisé et adopté en 2019. Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux du sommet, les chefs d'État ont, dans la foulée des résolutions, demandé au sujet du conflit opposant la RDC au Rwanda le respect de la feuille de route pour le retrait du mouvement terroriste M23 des positions occupées actuellement à Bounagana. Les chefs d'État Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Mahamat Idriss Déby du Tchad, Carlos Villanova de la Sao Tomé et Principe et des officiels représentants des différents autres pays de la CEAC ont participé au sommet de Kinshasa. En bilatéral, en marge du sommet, le président de la République a eu des entretiens avec ses homologues de pays membres de la CEAC. Les échanges du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les trois chefs d'État présents au sommet, Archange Touadéra de la Centrafrique, Mahamat Idriss Déby du Tchad et Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe, ont tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents pays membres de la CEAC. À la Villa 34 de la Cité de l'Union africaine, où il a été installé, le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a reçu son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des entretiens à l'issue desquels il a pris congé de son hôte dans une ambiance très conviviale. La République démocratique du Congo est un État aux multiples ressources variées dans son sol et son sous-sol, présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. De par son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans le souci du gouvernement de relancer les défis de valorisation des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des hydrocarbures a procédé sous le haut patronage du président de la République au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers ouvert à l'exploration, production et trois blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence des présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mboso, du Premier ministre Sama Lukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation d'énormes ressources pétrolières et gazières dont regorge la RDC, aux fins d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. Dans son mot de bienvenue, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimboum-Toumbouanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné que l'appel d'offres de ces jours se veut un processus public transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à la RDC de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises. Le ministre des Hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêt. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où
sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. Par ailleurs, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC, Albert Zéofac, autour des relations entre la RDC et cette institution de Bretton Woods. Ces derniers s'est dit rassurés par la volonté de la RDC de protéger l'environnement dans ses efforts de développement au bénéfice de la population congolaise. La Banque mondiale est heureuse d'accompagner la RDC pour son développement, a dit en substance le directeur des opérations Albert Zéofac. Les manifestations anti-MONUSCO dans le Nord Kivu ont attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs colloques et assises ont eu lieu cette même semaine, comme le lancement de la fibre optique réhabilitée, des informations diffusées sur nos antennes. Si vous avez manqué un sujet d'actualité de la semaine, Toto Soungou vous propose un recap en quelques minutes. Des faits saillants de l'actualité de la semaine qui s'est achevée, des manifestations anti-MONUSCO enregistrées dans plusieurs villes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une réunion de sécurité a eu lieu autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Des membres du gouvernement se sont retrouvés à la table des échanges pour évaluer les dégâts et réitérer l'appel au calme. Placé sous le thème intelligence économique et stratégique, le colloque international organisé à l'intention de la CEAC s'est tenu à Kinshasa au Collège des hautes études de stratégie et défense de la commune de la Gombe. La nécessité de réfléchir sur les enjeux économiques dans le contexte post-Covid et celui de la guerre en Ukraine ont été abordés. La ligne Kinshasa-Bandunduville de 429 km de fibre optique abandonnée il y a 4 ans pour avoir connu des sectionnements à plusieurs endroits vient d'être réhabilitée. C'est le ministre des Pétentites qui a procédé au lancement de cette fibre optique. La sixième session ordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des télécommunications a vécu en Algérie. Le ministre de Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a plaidé et obtenu l'acceptation des rapatriements du siège de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa ainsi que la validation des sièges de la RDC au conseil d'administration de cette organisation. Deux personnes brûlées, deux murs écroulés, un camion brûlé et un immeuble incendié, c'est le bilan de l'explosion provoquée par la fuite d'une bouteille à gaz ayant échappé en rencontrant une brasière allumée. La scène s'est déroulée sous l'avenue Fayala au quartier Mombélé dans la commune de Limété. Début travaux de réhabilitation des 622 km sur l'axe routier Kinshasa-Batchamba sur la route nationale numéro 1. Un projet financé par la Banque africaine de développement. Les stratégies démontrent que 26% des personnes souffrent d'une hépatite à échelle mondiale. Le 28 juillet, journée mondiale contre les hépatites, la communauté nationale veut être au chevet des personnes malades et prévenir la pathologie. La sensibilisation sur la discipline et le respect de la loi des conducteurs de moto communément appelés Wewa au centre d'une réunion entre le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale et le responsable des Wewa. Lancement officiel des épreuves de l'examen national des fins d'études professionnelles pour l'édition 2022, c'est la ministre de la formation professionnelle qui a procédé au lancement de ces épreuves. La Radio-Télévision nationale congolaise vient d'acquérir de nouveaux équipements radio-télévision des dernières générations. Il s'agit des régies mobiles, des cartes de reportage, des équipements, des mixeurs audio-vidéo, des valises satellitaires. Le directeur général de la RTNC, Belide Bunga, qui séjourne en Belgique, a réceptionné officiellement ces équipements auprès du partenaire StudioTech.
La problématique de l'électrification des grandes villes du pays persiste. Les idées se confectionnent pour connecter les villes en difficulté, comme dans la province du Kasaï. Quelle méthode privilégier ? Notre chroniqueur Ramazani revient sur la question dans ce document. L'espace Kasaï. Cette région regorge d'énormes ressources minières dans son sol et sous-sol. Chicapa a été pour longtemps la capitale mondiale du diamant. La terre est fertile pour y faire une agriculture intensive. À Kinshasa, on amène généralement les produits agricoles, le riz, le maïs, du manioc, les haricots s'il y en a, aussi de l'huile de palme et d'autres produits que l'on produit localement. Seulement voilà, à l'instar d'autres riches régions du pays, la population vit dans la précarité. Elle vit dans la pauvreté. Pour survivre, les Kassaïens s'exilent massivement vers des provinces voisines. Mais tous, on espère qu'avec les débits de l'électrification rurale, lancé le mois dernier dans le cadre du programme du chef de l'État du développement à la base, les choses vont changer. Il a de bonnes idées, il a un souci pour développer ce pays. Parce que je suis au Kasaï, je suis en train de plaider aussi pour la province et la ville. Je suis sûr et certain que dans 2 ans ici, il y aura de bonnes choses. Aux paysans, c'est-à-dire eux qui ont la terre et qui savent cultiver, c'est eux qui ont de l'argent. Et ici avec la nana, mais on peut améliorer davantage ça. Il n'y a pas que la nana, il y a beaucoup d'autres fruits. Et il y a beaucoup de légumes également que nous avons ici qu'on peut conserver, qu'on peut transformer. Donc on attend maintenant que les ingénieurs viennent, que les gens commencent maintenant. Mais c'est aussi un moment très fort qui marque le signal du début d'une dynamique de développement interne. D'ici décembre prochain, disent des autorités, plusieurs villes du Kasaï seront connectées au réseau électrique. Nous sommes conscients que les défis sont énormes, sont des tailles. Honnêtement, on a de l'argent. C'est vrai, on a la vision, c'est vrai, mais convertir tout ça en réalisation, ce sont des défis. Et moi, je suis conscient de ça. C'est pour ça qu'on fait vraiment posture d'humilité, beaucoup d'humilité, parce qu'on sait que ce n'est pas évident. On a l'argent, on a la vision. Délivrer sur le terrain, c'est autre chose. Et c'est là les plus durs qui viennent de commencer pour nous. Le plus dur, c'est aller sur le terrain, c'est affronter les défis logistiques, c'est arriver à construire ces ouvrages, comme nous le disons. Mais au-delà de construire, c'est arriver à les maintenir, à les rendre opérationnels, durables. On ne veut pas faire des saupoudrages, on ne veut pas faire des one-shots comme on dit souvent. Ça veut dire des trucs qui viennent un peu comme du folklore. C'est pas ce que nous voulons faire. On veut faire des choses qui apportent le développement. Le projet d'électrification va s'étendre dans d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Certains sont sceptiques, mais les choses se concrétisent de plus en plus par l'ANSER. Le mariage peut-elle constituer un obstacle pour l'épanouissement d'une femme ? Celle-ci peut-elle vivre sans contracter le mariage ? Plusieurs questions restent pendantes et les arguments sont partagés à ce sujet. Suivez ce dossier. C'est important pour une femme de se marier, d'avoir quelqu'un à ses côtés. Une femme doit avoir un homme pour éviter de changer de partenaire à tout moment. La femme doit se marier, avoir un mari à ses côtés et former un foyer. Linzanza ebonga na langi, lokumu ya mwasi nde makwela. Ces stéréotypes présentant les mariages comme la voie obligée pour toute femme en Afrique impacte positivement, mais parfois négativement, la vie de la plupart d'entre elles. C'est marié coûte que coûte, pourtant les réalités sont tout autres. Avant 40 ans, je me suis retrouvée veuve avec mes enfants. Que pour moi, le premier combat de la femme est d'être capable de se prendre en charge et de s'autonomiser. Je dis ça pourquoi ? Parce que le mariage, c'est quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que vous devez être capable de vous prendre en charge. Cependant, certaines d'entre elles subissent la pression dans leur propre famille. Nous demandons aux parents qui ont l'habitude de traumatiser leurs enfants, et qui sont des filles, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas dans les mariages. Non, non. Si la fille a atteint l'âge pour qu'elle soit dans les mariages et que les mariages n'est pas prêt ou les mariages n'arrivent pas, ce n'est pas un problème. Laissez votre fille vers la meilleure méthode
faites étudier votre fille, qu'elle puisse avoir des gros diplômes, et ces diplômes vont payer vraiment, sincèrement, ta fille ou ton enfant. Le fait d'étudier, vous avez les diplômes, vous avez ceci, ça ouvre déjà une voie que vous allez réussir votre vie. Mais on ne refuse pas les mariages. Les mariages, c'est un élément qui peut vous accompagner, ou soit qui peut arriver. On ne peut pas se donner la mort, soit c'est, comment dirais-je, développer cet aspect négatif, comme je n'ai pas un mari, comme je ne suis pas dans les mariages, le ciel tombe sur moi. Non, on doit voir la vie autrement. Et nous qui sommes des enseignants, je demanderai soit les jours qui viennent ou les années qui viennent, qu'il y ait une sensibilisation en disant aux femmes, si le mariage n'est pas encore arrivé, on ne peut pas se sous-estimer. Des clichés qui malheureusement impactent la conscience collective de la société africaine. Des jeunes filles, au moment de leur diplôme, elles sont devenues licenciées, docteurs, etc. Et je leur demandais, quel est votre objectif dans la vie, vos objectifs de carrière? Et elles me répondent, je vais me marier. Alors, quelque part, je me dis qu'elles n'ont pas compris ce qu'était la vie. Parce que le premier objectif dans la vie, c'est l'épanouissement personnel. Si vous n'êtes pas épanoui vous-même, même dans le mariage, vous ne le serez pas. Et nous avons vu beaucoup de mariages où les femmes ne sont pas heureuses. Nous avons vu des mariages où les hommes battent leurs femmes et elles en meurent. On a eu plusieurs cas, et même des femmes intellectuelles. On a vu des femmes avocates, on a vu des femmes diplômées qui sont mortes sous le coup de leur mari. Vous savez, moi, mon père m'a élevée en disant, j'élève des filles qui vont se battre dans la vie, le mariage étant un plus. En Afrique, le mariage est-il un passage obligé pour toutes les femmes? La question restait pendante. Un dossier de Gina Wabiwa. Et je vous le disais, il y a peu, le Monde célèbre ce dimanche la journée de la femme africaine. Quelle image incarne l'actuelle femme africaine? La question fait l'objet de toute une chronique que je vous propose de suivre. La journée internationale de la femme africaine voit officiellement le jour en 1964. Deux ans plus tôt, à l'initiative de Aouya Keïta, sage-femme et femme politique d'origine malienne, des femmes de l'ensemble du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines. L'Organisation panafricaine des femmes, avec pour but, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble pour un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. Et la déclaration de Maputo est le tout premier traité à reconnaître l'avortement dans certaines conditions comme un droit humain des femmes dont elles devraient jouir sans restriction ni crainte des poursuites judiciaires. Un texte à la base de la controverse qui dévoile pour le courant catholique les enjeux de la libéralisation de l'avortement dans le contexte post-colonial africain où cette question est présentée comme une invasion occidentale et engendre des postures de résistance d'une nature particulière. La Journée internationale de la femme africaine est peu connue, mais elle est tout de même célébrée dans plusieurs pays du continent. Les droits des femmes en Afrique, grâce à cette journée, ont connu une amélioration importante. Plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la jeune féminine. En accédant à des postes à haute responsabilité, ces femmes contribuent à développer les politiques en faveur des femmes et des jeunes filles. L'augmentation du nombre des femmes au Parlement du Rwanda et en Afrique du Sud a permis de réaliser des avancées législatives importantes en matière de parité homme-femme, notamment en ce qui concerne les droits fonciers ou l'accès à la contraception. Le combat des femmes africaines se situe surtout dans le domaine juridique et notamment de l'emploi. Les femmes réalisent qu'elles ont beau avoir des diplômes, elles ne parviennent pas à toujours les mettre en valeur. Des idées arrêtées et les stéréotypes sur la femme est un frein à l'épanouissement. Le droit de vote et la parité, la croissance spectaculaire de l'activité professionnelle et la percée des scolarités féminines sont des vraies conquêtes, même si elles demeurent pour l'heure inachevées.
Aujourd'hui, la femme africaine impose du respect, son courage, son endurance, sa capacité d'adaptation en font un être exceptionnel. Les femmes sont victimes des violences et des discriminations. Elles n'ont pas accès à des emplois décents et sont victimes de discriminations professionnelles et salariales. Trop souvent, elles n'ont pas accès à l'éducation et aux soins de santé. Une chronique signée Françoise Bouélaboaki. Le Fonds pour la promotion de l'industrie FPI poursuit son soutien aux grandes industries du pays. Le directeur général du FPI a visité récemment quelques projets financés par son institution. Fraîchement sorti des terres, abrite les installations de la société Bags & Sacks, une unité industrielle spécialisée dans la production des emballages destinés au ciment et aux produits agricoles. Nous sommes dans la petite agglomération des Kimpese, dans les territoires de Songololo, en pleine province du Congo central. Ces jours, les promoteurs du projet reçoivent la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par son directeur général intérimaire. La raison de cette descente est simple, inspecter le fonctionnement de l'usine à la suite d'un accompagnement financier de cet établissement public. Trêve des commentaires et direction à l'usine proprement dite. Sur place, les promoteurs de Bags & Sacks, aux côtés de la délégation du FPI, conduite par son directeur général intérimaire Kalinga Makunga, a passé en revue toutes les unités de production utilisées par l'usine, ainsi que leurs fonctionnalités, mais également les matières premières et l'équipe des employés présents. Pour Jean-Claude Kalinga Makunga, qui ressort rasséréné de cette étape, cette usine n'a rien à envier aux usines qui évoluent sous d'autres cieux et qu'il a eu à visiter. Il rassure surtout que la société Bags & Sacks est en train de répondre aux attentes du FPI en suivant scrupuleusement les plans de financement établis entre les deux parties. Je ne suis pas un technicien, mais ce que j'ai vu en visitant toute la chaîne de production, de la matière première au produit fini, et surtout dans les laboratoires de contrôle de qualité, je pense que l'usine fonctionne très bien. Jusque-là, nous sommes dans un cheminement commun qui fait que chaque étape est respectée par Bags & Sacks, mais en même temps Bags & Sacks nous permet aujourd'hui de réaliser l'une de nos missions. Et cette nouvelle qui fera le plaisir de femmes et amoureux de la mode, la marque Vlisco est désormais disponible en Ivoire, une diversité dont le choix salué par la Fédération des entreprises du Congo. Il s'agit de l'initiative de Madame Vicky Borive, directrice générale de l'établissement Gloire à Dieu 2, qui a trouvé opportun de mettre à la portée des femmes ivoiriennes les produits de la marque Vlisco. Pour elle, Gloire à Dieu 2 se lance désormais dans la diversification, en mettant à la disposition des 100 clients des tissus imprimés de haute qualité et des articles de marque Vlisco. L'heure a sonné pour que les mamans de l'Ituri se procurent sans difficulté les femmes de qualité dont les wax super, grand super et autres. Pour M. Eddy Ediam, directeur de marketing de Vlisco en République démocratique du Congo. La boutique Vlisco qui vient d'ouvrir aujourd'hui aura tout l'assortiment à l'or et toute la gamme des produits Vlisco que vous connaissez. Nous avons le super wax qui vous connaissez depuis beaucoup d'années, depuis les 30 dernières années, le super wax et d'autres produits phares. Le président FEC, Daniel Mugisa, présent à la cérémonie, a salué l'initiative tout en promettant un soutien total de la fédération. Nous accueillons avec le même sentiment le directeur marketing de RDC et Afrique centrale de la mission Vlisco, à qui nous souhaitons la bienvenue et agréable séjour à Bounia. Nous félicitons la maman Vlisco pour la confiance qu'elle a placée avec la personne de maman Vicky, membre de la FEC. Le vice-gouverneur, policier, le commissaire divisionnaire adjoint Alonga Boni Benjamin, qui a officiellement lancé les activités de l'établissement Gloire à Dieu 2, a invité les mamans ituriennes à s'approprier la bonne initiative de Madame Vicky Borivet en s'habillant décemment avec les différents produits Vlisco. Elle soit contente, soit heureuse avec Vlisco. Je vous remercie. Une vente s'en est immédiatement suivie, ce qui a donné le go aux activités de l'établissement Gloire à Dieu 2. Et
Et puisque nous parlons de la FEC, sachez que cette Fédération des entreprises du Congo a soufflé hier sur ses 50 bougies, une occasion pour la chancellerie des ordres nationaux de décorer les personnalités ayant marqué cette fédération nationale. Félix Zaloumeti dans le reportage. 1972-2022, la Fédération des entreprises du Congo FEC totalise 50 ans jour pour jour. La chancellerie des ordres nationaux a choisi cette date d'anniversaire pour honorer les personnalités ayant marqué cette structure patronale de patrons. Le plus méritant a été décoré de la médaille en or de mérite civique, tandis que les autres de la médaille en argent. Personne n'a été oublié, vivant ou défunt. Ces deux types de médailles ont été décernées aux récipiendaires par le chancelier des ordres nationaux, le général-major Matute Zouloa, Kamassobo André, et c'est au nom de l'État, grand chancelier des ordres nationaux. En vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or et d'argent du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. La veuve Jeannot Bemba Saolona n'a pas tardé d'éloge à la nation pour cette marque de reconnaissance à son défunt mari. Combien il s'est battu pour le panier de la ménagère. Donc c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme, un grand visionnaire. Il a travaillé réellement pour ce pays et il avait un souci réel pour le bien-être social. Dans le registre de médailles en or, à titre posthume, figuraient aussi Gilbert Tiongo, William Damso, Thomas Toumba Toukadi, Gabriel Oumbadilou Tété, et pour les personnalités en vie, Pascal Kintuelo, Jonas Mokamba, Jean-Pierre Kiwakana, Patel Rachidi et Georges Forest, tous décorés de la médaille en or des bons et loyaux services rendus à la nation. À la soirée des galas, le président de la FEC est revenu sur l'historique et les grands événements de ses syndicats patronales. Albert Yuma a mis l'accent sur l'avenir de cette fédération patronale, la manifestation effective du projet Renaissance avec l'appui du PNUD, ce qui permettra certes la transformation en profondeur de la FEC quant à sa gouvernance et son organisation interne. Bâtissons ensemble une économie forte pour donner au président de la République et à son gouvernement les moyens de garantir la souveraineté nationale. Cet instant a été marqué par la présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ainsi d'encouragement aux opérateurs économiques. En politique, nous vous proposons ce soir cette matinée initiée par une branche de l'Union sacrée pour la nation. Il était question de faire le point sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Cédric Yenina. Les questions pertinentes de la vie politique et sociale évoquées au cours de ces face-à-face avec la presse. Toussaint Alonga, président national du parti Les Transformateurs, a peint les paysages politiques des 60 à nos jours en insistant sur le rôle de l'homme politique. Versatile, mercantile, il suffit seulement que certains intérêts personnels soient gênés, l'on décrète la fin d'un régime. Point n'est donc besoin d'un dessein. Pour se référer à la récente sortie médiatique de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Il suffit seulement que certains intérêts personnels soient gênés ou mis en attente pour les voir décréter la fin des régimes au profit de l'avènement d'un autre dont il se réclame père fondateur, sauveur de l'humanité, timonier, faiseur de rois, que sais-je encore. Mesdames et messieurs, il est temps de rompre avec ces méthodes politiques afin de permettre de mener le véritable combat politique pour le changement de notre nation. Il est également temps que nos historiens réécrivent la vraie histoire politique de notre pays et d'attribuer à chaque opérateur politique son vrai rôle historique, en bien comme en mal. Pour les transformateurs, Félix Tshisekedi et les fruits de leur combat. Moment indiqué pour réaffirmer également son soutien aux actions du chef de l'État. Après Cédric Yenina, notre confrère Pierre Mbouyou nous propose à présent cette série d'ateliers de formation organisée par l'ambassade des États-Unis au Centre culturel américain de Kinshasa. Suivez. En marge de la cérémonie officielle du lancement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'appel d'offres pour la gestion des blocs pétroliers en République démocratique du Congo, l'ambassade des États-Unis d'Amérique vient de lancer l'organisation dans la salle du Centre culturel américain de Kinshasa d'une série de sessions de formation d'élite intellectuelle congolaise sur la politique économique de la joint venture et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Cette formation a eu lieu l'année passée et stoppée par la maladie Covid
Une fois de plus, l'expertise du professeur John Ekinabongongo s'est vue indispensable et plausible par les temps qui courent et dont il convient aux autorités congolaises d'en faire bon usage. Cela s'est traduit par la présence de cet éminent professeur à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, au centre culturel américain, où il est appelé à animer une série d'ateliers et des modules de formation en joint venture et entrepreneuriat à l'intention des jeunes élites et entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, il a été question de jeter les bases conceptuelles de la joint venture. On a travaillé en ligne et en présentiel parce qu'il y a d'autres participants qui suivaient les cours à distance, notamment à l'ISP Lubumbashi et l'ISC Matadi. Et avec, comme qui dirait, la technologie, nous avons eu à interagir avec tout le monde. Il convient de noter que ces ateliers de formation, qui seront organisés tout le mercredi pendant 2 mois, en visioconférence, aura l'avantage de socialiser intellectuellement les participants quant aux différents aspects concrets de la joint venture et l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a pris une part active à l'édition 2022 de la foire internationale de Ndola en Zambie, une présence marquée par la présence justement de la délégation de la Société nationale d'assurance. Marie Calon nous propose ce reportage. Le thème « Promouvoir la valeur ajoutée pour une croissance durable », la foire internationale de Ndola a vécu du 29 juin au 5 juillet 2022 en Zambie. La délégation de la Société nationale d'assurance a été conduite par Charlotte Kilanga, directeur des régions sud, secondée par Papi Lufuma, chef d'agence Lubumbashi. Les envoyés de Lucien Bonyeme Kofo, directeur général de la SONAS, ont présenté les différents produits de la SONAS composés des différentes assurances, du déroulement des ventes et du règlement des sinistres. Bref, l'accompagnement de la SONAS en République démocratique du Congo et au tiers. Le beau stand de la SONAS a fait l'objet de la visite de Céline Kanyeba et de Lydia Kapapa, respectivement ministre provincial de commerce du Haut-Katanga et du Lualaba. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga et le ministre zambien de l'économie ont visité eux aussi le stand de la SONAS. Charlotte Kilanga, directeur des régions sud de la SONAS. Un grand merci au président de la République et au président Antoine Tshilombo. Tshisekedi, sans pour autant s'en passer au son DG, le directeur général, le premier Lucien Kofo, lui qui nous a envoyé, dont nous avons représenté, si nous avons représenté la République. Un autre temps fort était la visite du président zambien Hakainde Hichilema au pavillon de la République démocratique du Congo, ainsi que l'ouverture officielle de la foire internationale de Ndola, édition 2022. Par les images de la remise officielle de la salle paroissiale réhabilitée de la cathédrale Notre-Dame du Congo, une réhabilitation qui porte les empreintes de Jean Tinigobila, gouverneur de la ville. Romain-Marie Lélo. La salle paroissiale faisant peau neuve en cette journée dominicale constitue à la fois un lieu recréatif et culturel, et ce dans les soucis de resserrer les liens de fraternité entre les fidèles de la cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi que les chrétiens de toutes les confessions religieuses. Elle est aussi une unité de production ayant la vocation de générer des recettes afin de venir en aide aux nécessiteux, dit le recteur de la cathédrale Notre-Dame du Congo, le professeur Abbé Camille Essika Dingo. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous ont justement parler de la relativisation des biens matériels et de vivre, non pas pour soi mais pour les autres, ce qui a été une occasion pour nous aussi d'inviter les chrétiens à pouvoir aider, soutenir l'Église avec le peu que le Seigneur leur donne, qu'ils puissent aussi penser à aider l'Église pour que l'Église puisse aussi aider les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Nous, les chrétiens catholiques, nous avons le devoir de prendre notre Église en charge. Aujourd'hui, je dois dire grandement merci à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre, mais je dois également féliciter le révérend abbé curé Camille pour
la nouvelle forme qu'il est en train de donner à notre cathédrale et ses alentours. Réhabilité grâce au concours financier du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentili Ngobilambaka, la cérémonie relative à la remise de ce joyau à ses bénéficiaires a eu lieu au sortir de l'Eucharistie présidée par le recteur de la cathédrale, le professeur Abbé Kabil Essika Dingo. Et quelques annonces avant de boucler complètement cette édition de Journal Magazine. D'abord, ce communiqué officiel, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature porte à la connaissance de magistrats et d'autres ordonnances du président de la République, chef de l'État, relative à la carrière de magistrat.